Oh putain. Je suis enrhubé maintenant parce que j'ai aussi un pchit, j'ai oublié de vous préciser quoi. J'ai le pchit dans le nez, j'ai la ventoline, j'ai les antibios, j'ai du doliprane pour la fièvre, j'ai je sais plus quoi et tout ça ne suffit pas. Hey, mais je crois que c'est le Potonoubi Bix, le King Roger du moment. Quoique ses os sont un peu spéciaux. Ouais, tu vois, là je suis à peine niveau 13, et encore, ça vient d'arriver, donc je suis plutôt niveau 12. Et du coup, pour arriver au niveau 20, il te faut un certain nombre de victoires. En tout cas, il te faut un ratio de victoires plus intéressant, quoi. On est sur Angoville. Il devrait jouer agressif avec ce commandant. Il va falloir que je fasse très attention. Moi de mon côté, pour essayer de lutter contre ça, je pense que je vais sortir l'as du tigre. On verra bien. Construire une compagnie d'infanterie ici. Vous voulez construire ou détruire quelque chose? Ici, soldats du génie. Les soldats du génie ont terminé. On y va. Une section de soldats du génie est arrivée. Je tiens à dire que son poste de King Roger est toujours d'actualité. Les soldats du génie s'emparent de l'objectif. Ce territoire n'est à personne. On va y remédier. Une nouvelle unité de grenadiers est prête. On va la voir. Comptez sur nous. Soldats du génie signalent la capture de l'objectif. Soldats du génie s'emparent de l'objectif. On met un point d'honneur à le prendre. On va essayer de prendre ça. Comptez sur nous, on va capturer ce lieu. On a enrichi la patrie. En mouvement pour capture. Avec moi. On met un point d'honneur à le prendre. Je me mets sur le bord, prêt au départ. Dégagez ce secteur. On a des ordres de capture. Los. On se met en cover. Ok, par là c'est chaud. On va leur piquer sous le nez. Comme ma vie. On prend le voyage promet d'être intéressant. Cool. Avec moi. Ce territoire n'est à personne. On va y remédier. Comptez sur nous pour avoir libéré le placement vers territoire ennemi. On y va, contact de l'ennemi. Allez, là au corps à corps. Oh le con, il s'est pas remis à cover. Au corps à corps, bah c'est lui qui gagne. Soldats du génie en route. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Grenadier prêt. On prend le territoire ennemi. Récupération de territoire. Section de soldats du génie. En avant. Ah, là c'est lui qui a découvert. Équipés de grenades aveuglantes. Les fusils G43, l'entraînement aux interrogatoires et la prévention de la détection sont désormais disponibles pour toutes les troupes de combat. Il vous faut compter sur nous. Soldats du génie, soldats du génie, bougez vos objectifs. Allez, hein, on bouge, on bouge. On le capture. Avancez. Il est grenadier. Pas mourir. De prendre notre secteur. On s'en occupe. Soldats du génie en mouvement. On peut vous aider? Ici les grenadiers. On part en combat. Unité de grenadiers à son maximum. Prêt à intervenir.
Les fusils sont... Une nouvelle unité de grenadiers est prête. Vous voulez mourir ? Dégagez ! Nous perdons un secteur. Grenadier est prêt. Déplacement vers zone sous contrôle ennemi. Ils nous massacrent ! On va par là ! Les troupes ennemies attaquent ! Ils nous font quelque chose ! Rapport au complet ! C'est parti ! Section de grenadiers attaquée du génie ! Ok, la cible est éliminée quand même. Soldats du génie en route. Yavol. Non. Bougez-vous. On va pas la jouer comme ça. Yavol, on va leur piquer ce territoire. L'ennemi s'empare de notre territoire. On arrive chez l'ennemi. Sécurisez ce secteur. Ok. Le secteur. On lève les genoux. Très malin de choisir ce commandant. On va pas de choisir ce commandant, de choisir cette, ce véhicule. On va pas prendre de risque. Pas prendre de risque. Section de soldats du génie. L'ennemi tente de prendre notre secteur. On l'aura. On va se le faire. On va s'en emparer. Récupération de territoire. Ce territoire n'est à personne. La patrie. On va y remédier. Yavol, on se déplace. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Au pas de course. On peut vous aider. Essuyez-vous les pieds, on arrive chez l'ennemi. Amélioration de production terminée. On entame la construction de la division. On va pas les laisser faire. On a... Mitrailleuse à plus chercher et détruisez. Très malin ça. Très bien joué ça. Bien joué. Nous avons perdu une unité de mitrailleuse lourde. Malin, malin, malin. On va le reprendre à ses chemins. On y va. L'ennemi s'empare de notre territoire. Nickel. Une section d'infanterie a été éliminée. Oh merde, putain, pas nickel du tout là. Nous perdons un secteur. Sécurisez ce territoire, on l'aura pour l'Allemagne. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Préparez-vous au déploiement. On avance. Ça va appartenir au Reich. Allez, hein, on prend le territoire mort. Sécurisation du secteur ennemi. On a
du travail de construction. Alors, on va essayer de les piéger. Véhicule de reconnaissance. Véhicule de reconnaissance. On va débusquer l'ennemi et l'éliminer. On va débusquer l'ennemi et l'attaquer. On s'en va. On nous prend par le plan. Alliés là-bas. Soldats du génie, prêts à tout. Ne les laissez pas. C'est parti. Sortez-le de derrière. On attaque l'infanterie. Des spécialistes de l'infiltration ont... L'ennemi tente de prendre notre secteur. Ici, les soldats du génie vont leur prendre ça. Comptez sur nous pour le capturer. On avance en territoire hostile. Nous ont fait penser. Changez de position. L'ennemi a brisé nos lignes de ravitaillement. Section de soldats du génie. Unité de mitrailleuse. On est pas... C'est tendu. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. On a des renforts complets. Ici mitrailleuse. On essuie les attaques. Une bonne position mitrailleuse. Mais non, toi il faut que tu t'en ailles maintenant mon petit gars. L'ennemi s'empare de notre territoire. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Yes. Putain, il m'a eu. Notre brave infanterie meurt. Ouais, on a mérité une promotion. Soldats du génie, montez. Les tentes sont des cibles ici. Emmène-nous là-bas. Ordre bien reçu. Ici, pénétrons en secteur actif. Il a fait un de ses cris quoi. On coincera et on tirera sur tout ce qu'on verra. Sécurisez cette position. La capacité de production a été accrue. Trouvez une porte. Ça fera une bonne position de mitrailleuse. Sexy. Verrouillez ce secteur et soldats du génie. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Putain, il est partout hein. J'ai perdu quand même pas mal de troupes, je suis pas content de moi. Grenadier. Nous avons une nouvelle unité de grenadiers. Soldats du génie parés pour assignation. Pénétrons en secteur hostile. Surtout avec ce que je vois là. Je suis pas
je suis pas très bien là. J'essaie de l'étouffer, mais bon. Le problème, c'est qu'il m'a quand même buté pas mal de troupes. Ça peut céder n'importe quand, quoi. Avec un territoire. Grenadier, pareil. Grenadier. Prêt à intervenir. Section. Je vois là, faut que je l'immobilise. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Sécurisez cette position. De notre territoire. Ah là 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 là. 125, on va partir là-dessus. Un secteur a été isolé. Renfort de grenadiers. Je préfère. Parce qu'il commence à avoir les véhicules. Commence à avoir les véhicules, il faut que je m'adapte. Et si possible assez vite. Est paré au combat. Allez, va, on va se le faire. Ok, je sais que c'est tentant, mais en fait il faut pas faire ça, faut pas re-rentrer dedans. Quand tu re-rentres dedans, tu souffres quoi. Je vais aller me débarrasser de lui. Spécialistes de l'infiltration ont rejoint le combat. L'ennemi s'empare de notre territoire. On sécurise. Parfait. On entre au secteur ennemi.
Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il bouge? Voilà. Il est con quand même. Je parle pas de mon adversaire, je parle de moi. De mon soldat. Pourquoi il fait des choses comme ça? Je me le demande. En tout cas, je voudrais bien le baffer comme Gomis, quoi. Lui, il va venir chercher le corps à corps, alors j'anticipe. Oh! Mal anticipé! GG. La victoire est à nous. Tendu. Alors attends. Il a été coriace avec ça. Hein. M'a rendu dingue. Il a plutôt très bien joué ça. Il a fait un meilleur démarrage que moi. Et heureusement, j'ai sorti le Panzer IV au moment fatidique. Bah là, Kiki, je me chauffe plutôt en ligne, moi. Allez, on va voir les stats. Puisque je rappelle qu'on s'est rencontré en ligne avec Noobibix, j'essaie de faire monter un peu mes stats en 1v1. M'améliorer, quoi, tout bonnement. Il y avait un beau dialogue de sourd. J'ai pas vu dans le chat. Petite Toto qui a mis, tu as détrôné le King Roger. Mais ça fait. On avait déjà fait des games ensemble. Sur les trois premières confrontations, il y avait eu une victoire pour moi, deux défaites. Et là, donc, on va dire que je viens de rééquilibrer en ligne, quoi. Après, voilà, j'essaie de m'améliorer. J'essaie de m'améliorer petit à petit. Alors, tu vois, il a eu une valeur de l'armée. Ce que je disais pour le démarrage, il a eu un démarrage qui était meilleur que moi, avec plus de troupes. Je m'en suis bien sorti. Je m'étonne qu'il m'ait pas posé de dynamite. Je m'étonne qu'il ait pas posé de dynamite, puisque c'est quand même mon péché mignon avec eux. Après, vu comme il m'a malmené,
Avec ses lance-flammes, je comprends qu'il ait fait ce choix. Bon, en tout cas, c'était cool. C'était une bonne game. C'est toujours sympa de tomber sur Nobivix en ligne. C'est un bon joueur. Il a un gros potentiel. Et je lui ai déjà dit en privé, il le sait, il pourra le confirmer, que ce soit en commentaire ou autre. Il sait que j'ai dit beaucoup de bien de lui parce que c'est un soldat solide et tout le monde ne peut pas sortir muscadé d'un tournoi. Alors je sais que c'est Spuniro qui l'avait sorti, mais la dernière game c'était Noobix contre Muscadet. Et Muscadet n'a pas réussi. Pourtant, Dieu sait que Muscadet c'est mon adversaire le plus fort que j'ai affronté en 1v1. Et je pèse mes mots, c'est pas simplement parce que c'est un copain. Donc félicitations à toi Noobix, je sais que tu es costaud quoi. Salut Noobix, c'est toi qui Kikermi? Bah avant tu t'appelais Noobix. Mais je sais que j'ai jamais dit que t'as jamais rien dit de mal sur toi. Enfin, sur moi. Cette phrase n'avait aucun sens. Parce que je lisais ce qu'il avait écrit et j'ai oublié de le transformer, quoi. Discours direct, discours indirect. Enfin, t'as compris, quoi. Non, non. Ah, je t'apprécie, hein, Kiki. Et j'ai fait le. J'en profite pour le dire parce que Noobibix, je t'ai effectivement enlevé de la liste de mes amis, mais sans aucune rancune ni quoi que ce soit. J'ai fait le même tri que je fais régulièrement, parce que je vous invite souvent lorsqu'il y a un tournoi, lorsqu'il y a quelque chose. Et étant donné que j'avais plus de signes de toi pour le King Roger, que tu voulais plus le faire, j'avais pas spécialement d'intérêt à te garder. Il y en a beaucoup que j'ai enlevé aussi du Discord, etc. Ne vous vexez pas, c'est juste qu'on a fait un petit tri pour avoir vraiment un noyau autour de nous. Un noyau des mecs qu'on connaît le plus, quoi. Par les temps qui courent, c'est utile de connaître ses amis. Donc voilà, c'est pour ça. Mais j'ai beaucoup d'estime pour toi et sache que si tu es chaud pour le King Roger, moi je ne vois aucun problème à ce que tu sois à nouveau le King Roger. Je t'ai d'ailleurs largement proposé de continuer. Quand tu m'as dit que tu n'étais plus intéressé, j'ai dit bah c'est dommage parce que tu as vraiment le niveau pour poursuivre et faire une belle série, je pense. Donc voilà, n'hésite pas, Kiki. On a tendance à penser que je suis méchant, mais c'est une histoire de point de vue, je te le promets. Voilà. Bon. Par contre, ça m'aiderait que tu t'appelles pas Kiki Army uniquement, mais Noobibix, c'était bien, hein. Comme ça je repère, parce qu'après, je sais plus qui est qui. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien changer de pseudo. Et après, on s'y perd un peu. Étant donné que vous avez beaucoup d'identifiants différents, je sais jamais à qui je m'adresse, à vrai dire. Bon, en tout cas, merci pour les compliments, les gars, c'était sympa. Lire un petit peu. La chasse à Roger, ben je la continue, Kiki. En quelque sorte, tous ces 1v1 que j'ai fait contre vous, c'est une chasse à Roger. Parce que la plupart du temps, quand je tombe en. Enfin, quand je vous invite, c'est ce que j'ai fait quand je vous invite pour faire des 1v1, je fais toujours 2 à 3 parties, exactement comme le principe de la chasse à Roger. Je l'ai pas appelé comme ça parce que c'était dans la période où on s'entraînait, mais. Donc compliment, il y a con et moi. J'ai un franc-parler, alors parfois ça heurte certaines personnes, mais c'est à tort parce que je suis tout à fait ouvert au dialogue. Et surtout, je cherche pas la merde aux autres, quoi. Donc en règle générale, j'espère que les gens qui sont en face de moi vont faire de même, quoi.
Par contre, dans mon caractère, bah, quand on me cherche et quand on vient m'emmerder, bah oui, je riposte toujours. C'est pour ça, quoi. Mais sinon, non, je suis pas de... Je sais estimer la valeur d'un soldat, virtuel bien sûr, et je sais toujours dire du bien des gens qui sont respectueux. Et c'est pour ça que je dis du bien de toi, mon cher Noobix. Je n'ai aucun grief contre toi. Un mot qu'on n'utilise pas assez, ça, grief.